keep on falling in, and I love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. Thinking now, loud, maybe we found love right where we are. Ah, okay.
When my hair's all but gone and my memory fades. And the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same.
processeurs de téléphone portable de bien vouloir les mettre sur vibreur ou en silencieux afin d'éviter le concerto de sonnerie pendant la cérémonie de mariage. Je vous remercie. Bienvenue à toutes et à tous à l'hôtel de ville de Mont-Saint-Barœul. Donc je suis toujours heureuse lorsque j'exécute mon rôle d'officier d'état civil qui m'amène à célébrer ce mariage. Pour moi, il ne s'agit pas d'une formalité. J'ai au contraire le sentiment d'accomplir une cérémonie, presque à rite, donc je n'ai pas personnellement les clés, mais qui me rend dépositaire d'un pouvoir que les circonstances m'invitent à exercer et qui m'échappe. J'accomplis là quelque chose qui me dépasse, car il engage la vie de deux êtres humains et leur avenir. Je vais vous faire la lecture des articles 212, 213, 214, il y en a encore, hein, 215 et 371.1 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Je vais demander au futur époux de bien vouloir se lever. Mademoiselle Chanceline Flore M. Bianca, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Cyril Gaëtan Guifaut, ici présent? Oui. Vous l'avez entendu? Oui. Monsieur Cyril Gaëtan Guifaut, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Chanceline Flore M. Bianca, ici présente? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Mademoiselle Chanceline Flore M. Bianca et Monsieur Cyril Gaëtan Guifaut unis par le mariage. Félicitations. Maintenant, procéder à la lecture de l'acte de mariage. S'il devait y avoir des erreurs ou des corrections, vous signalez en fin de lecture. Le 20 août 2016, à 15h, devant nous ont comparu publiquement en la maison commune Cyril Gaëtan Guifaut, électricien, né à Yaoundé le 21 août 1977, domicilié à Mont-Saint-Barœul, 12 sur 222, avenue des Jardins. Fils de Marie Massimo, enseignant, domicilié à Tchang, Cameroun, d'une part, et Chanceline Flore Mbianga, aide-soignant, née à Vancouver le 11 septembre 1975, domicilié à Mont-Saint-Barœul, 12 sur 222, avenue des Jardins. Fille de Marie Nzouetou Tom,
ménagère, domiciliée à Yaoundé. D'autre part, sur notre interpellation, il a été déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Si exprès étant Guifour, les chanceliers Flore et Mdianga ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Jean-Marie Mboda Tama, architecte, domicilié à Bordeaux, 10 rue Robert Charazac, de Eddie Tagne, peintre décorateur, domicilié à Triel-sur-Seine, 28 bis rue de Lotil, de Cyril Boyomo, médiateur LMH, domicilié à Lille, 35 boulevard de la Liberté, de Victorine Sada Fongo, épouse Feu Djo Sambou, auxiliaire de vie, domicilié à Lille, 8 rue de Tuminis, témoin majeur. Lecture faite et invite à lire l'acte, les époux, les témoins ont signé avec nous. Sophie Senoussi, conseillère municipale, officier d'état civil par délégation du maire de Mont-Saint-Marc. Faites-le toujours avec votre cœur. Donnez-vous et donnez aux autres du bonheur. Le temps nous change tous. Tout en poursuivant chacun votre chemin. Restez l'un pour l'autre ce que vous êtes aujourd'hui. Au nom de l'équipe municipale et de M. le maire, je vous présente tous mes vœux de bonheur. Soyez très heureux. Ben je ne vois rien là. Oh, on reprend. Over this love is sweet.
joy that makes our love complete. God gave you to me. Thank you.
merci, merci pour tes visites. Je vous laisse ça, je vais pas faire pour vous. En fait, ça va tout le temps, je vous laisse et qui aujourd'hui nous donne la fierté. Remercier, n'est-ce pas, les invités d'avoir accepté d'honorer ce soir de leur présence à l'invitation de Gaëtan et Chanceline. Alors, je vais être très bref parce que le temps ne tient pas beaucoup. Donc, cette histoire, c'est quoi? C'est l'été 2011. Cheikh Gaëtan a été en vacances à Lille. Alors, pendant ces vacances, nous avons rencontré la très chère belle Chanceline. Et elle lui a proposé après une invitation sur Paris, quand il était de retour, ce qui a été fait. Et par la suite, la relation, n'est-ce pas, a commencé et est née la petite Marie-Louise, que vous avez vue certainement dans la salle. Et pour, n'est-ce pas, marquer d'un coup très précieux cette relation, Cheikh Gaëtan, qui jadis ne parlait pas trop de mariage, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps, je dirais qu'à voir Chanceline, il était irrésistible, je veux dire, il était impossible que Gaëtan puisse... Je veux dire, résister à son charme. Alors, ceci, il lui a proposé donc de passer à l'action. Alors, ce qui a été très vite décidé, bon, depuis, ils ont préparé, n'est-ce pas, ce beau jour dont nous vivons aujourd'hui. Et c'est avec plaisir que je vais, n'est-ce pas, à mon nom personnel, féliciter les mariés. Et remercier une fois de plus tous ceux qui sont là présents ce soir. Je vais essayer de demander aux représentants, n'est-ce pas, de la femme, de chef de famille, de la femme, de se lever et venir vers moi pour pouvoir dire un mot concernant ce couple. Peut-être de la relation de sa fille. Ce jour. Bonsoir mesdames, messieurs. Bien, il m'est venu l'honneur de représenter ma famille et la famille de la mariée. Tout d'abord pour féliciter les mariés et remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de venir ici ce soir, partager ce moment assez fort dans la vie de deux personnes.
Et puis vous savez, ça c'est des moments forts dans la vie d'un individu, le mariage. Le mariage c'est un événement très important dans la vie d'une personne et qui est tellement important qu'il faut que ce soit marqué des moments comme ça, des instants de bonheur, de communion, de partage. Et je suis très heureux que ma fille aujourd'hui ait trouvé quelqu'un qu'il aime et qu'elle aime et qu'ils ont décidé de cheminer ensemble tout le long de leur vie. Et je bénis ce mariage et j'espère que tout ira bien et qu'ils feront des petits. Et pour que je puisse être un grand-père. Et voilà, donc c'est vrai quand même que j'ai baissé mon cœur parce que ces moments j'aurais aimé les partager avec nos mamans qui ne sont plus là parce qu'elles ont beaucoup rêvé, elles ont beaucoup aimé que ce moment arrive, mais bon, malheureusement, c'est pas là. Donc je ne veux pas être long, je remercie tout le monde d'être là présent et que la soirée soit belle. Merci. Merci bien sûr, l'applaudissement s'il vous plaît. Alors c'est ce qui va passer au chef de famille du marié. Prière d'avancer pour pouvoir dire un mot de bienvenue aux invités. Bonsoir, je vais être très très bref parce que je vais essayer d'improviser ce discours. D'abord, je suis comme dépourvu de Gaëtan parce que je m'en souffle à l'oreille. Je ne sais pas si je vais retenir. Je suis désolé, je veux parler avec mon cœur. Gaëtan, mon fils, Gaëtan, je suis. Comment je peux expliquer l'histoire de Gaëtan? Donc, c'est un garçon que j'ai connu très tard et je me suis aperçu que j'avais un fils spirituel. Je suis, pour me présenter, je suis le petit frère du père de Gaëtan. Pour ceux qui le connaissent, jadis, qui s'appelait Mystic Jim, qui a œuvré donc à la CIA civile. Et donc, j'ai appris que Gaëtan devait venir en France. Il avait un ami très très fort, qui l'a beaucoup épaulé, a pouvait donc émerger. Donc, cette personne qui est justement à côté de lui, qui a pris ma place, qui est son père spirituel, à l'honneur de Bertrand Julien. Peut-être plutôt lui laisser la parole, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, c'est son complice, on a beaucoup de choses à lui dire. Alors, le père spirituel de Gaëtan à la personne de Chicago. Gaëtan. Bonsoir à tout le monde. Je souhaite que vous remerciez de votre attention. Et merci de l'avoir demandé. Gaëtan est pour moi mon frère. Et voilà, ça me fait très très plaisir de voir qu'il continue sa progression depuis qu'il s'est emmené en France pour lui. Et je suis très content pour lui. J'ai eu l'occasion de voir Jean-Céline qui est sur le groupe pour la première fois en 2011. Et je suis très content pour elle. Je vous aime beaucoup et continuez à rester comme vous êtes. Ne changez rien. Et on attend beaucoup de vous. Bien sûr que la tâche est immense, mais elle a mon appel. Voilà, bon courage et je vous souhaite ça de tout cœur. Je vous remercie infiniment. Sur vos ovations, s'il vous plaît, merci. Alors, j'espère bien que Gaëtan et Chanceline ont bien suivi le conseil du parrain. Je passe une grande merci. Sur vos informations, s'il vous plaît, un peu de plus. J'ai les larmes aux yeux.
si nous en sommes ici aujourd'hui, c'est, comme on dit généralement chez nous, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai assez de monde, on a connu des hauts, on a connu aussi des bas. Et comme Adi et ses deux grands frères, Chancel et moi se connus en été 2011. J'étais passé à Lille, entre guillemets, pour mes petites vacances. Et j'ai fait la question de Chancel. Deux semaines après, elle était à Paris. Et c'est comme ça que nous en sommes là jusqu'aujourd'hui. Et comme on dit, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On a connu des hauts, on a connu aussi des bas. Et c'est aussi grâce à beaucoup de conseils de certaines personnes. Comme je dirais là tout à l'heure, il y a un grand Antoinette, qui est un peu comme notre marraine dans cette histoire, parce qu'elle nous a toujours soutenus. Elle nous a encouragés à ce que nous avons fait. Et aussi, comme a dit Pierre tout à l'heure, parce qu'il a donné un discours, bref, parce que comme il a dit, il était devenu, comme il nous a dit, il m'a pas trop connu. Lui, il est devenu un héros pour faire ses études, en faisant son papa et son grand frère qui était mon papa. Il avait annoncé qu'il avait un fils. Mais bon, je me donne le cas, vous savez. Et comme on dit dans la vie, la femme de quelqu'un n'est pas toujours celui qui a accouché. Tous ceux qui me connaissent, je suis d'une famille barbe, et j'ai été adopté d'une famille barbunaise, qui sont déjà là tous. Et si je me trouvais en France aujourd'hui, c'est grâce à cette famille bandunaise par le biais de mon ami. Parce que celui qui est venu au Cameroun, en été 2009, il m'a dit, franchement, j'en ai des trop. Je suis parti en Europe, ça fait, il était parti en 2000. Il a dit, voilà, je peux pas rester en Europe et pendant que mon ami est au Cameroun. C'est comme ça, pas les moyens, je ne sais pas ce qu'il a fait. Et moi j'ai dit ça pour le film. J'ai dit, mais le monsieur, c'est qu'est-ce qu'il apporte? Personne n'a cru. Déjà même ma grand-mère qui est ma mère, Marc, tous ceux qui connaissent, justement que monsieur là, il raconte n'importe quoi. Moi aussi j'ai fait filmer, il raconte n'importe quoi. C'est comme ça qu'il m'annonce mercredi, et vendredi je me trouvais dans l'avion. Et c'est comme ça que je me retrouve à l'Europe aujourd'hui. Et comme dans toutes les familles, il y a des problèmes, lui et moi aussi on a connu des hauts, on a connu des bas. Et voilà, une famille ne rejette jamais son sang, et je pense à aujourd'hui, je suis vraiment très content, jamais pleurer. Merci bien, sous vos applaudissements. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Et de passer une agréable soirée. Merci. Bon appétit. Merci. Merci. Je vais devoir demander à ceux qu'une prière soit dite pour pouvoir ouvrir la soirée sur la Néron et puis passer au buffet. Merci. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour dire une prière en l'honneur des mariés ce soir, afin d'avancer la deuxième partie de la soirée. Merci. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Seigneur, nous te remercions pour cette soirée. Merci pour l'amour qu'il y a entre Gaëtan et Chanceline. Merci pour tout ce que tu as fait pour eux. Seigneur, fais que cette soirée se passe bien, que tout le monde s'entende bien. Seigneur, merci pour la vie et pour l'amour que tu as donné. Amen. Ok, merci de vous asseoir, s'il vous plaît.
attendu de la soirée, nous allons passer au buffet. Alors je vais inviter, n'est-ce pas, les mariés de souper et de se diriger vers... Stop.
cœur est occupé. Tant qu'il rejette tous tes appels. Toi mon appel, puis tu m'as tiré. C'est moi l'amour.
Thank you.
l'éclaboussement de la fierté et de la clarté. Et bien, excusez-moi,
Alors, je commence par Chanceline qui vient offrir son premier champagne à la table la plus estimée. Excusez-moi, super. Chanceline, à ton honneur, tu peux offrir ton premier champagne déjà. Oui. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Sous vos ovations. Sous vos ovations. Elle est de retour encore. Alors, au second tour, nous passons la charge au grand Gaëtan qui va passer son premier offre. Oui, à la première table. À la première table des gens. Alors, oui, sous vos ovations, s'il vous plaît, sous vos ovations. Alors, ça c'est le deuxième tour déjà, le deuxième tour. Il s'agit de notre princesse Chanceline. Alors, tu continues, le second choix. Tu iras jusqu'au troisième. Oui, c'est ça. Oui, tu iras jusqu'au troisième. Ah oui, ah oui, ah oui, sous vos ovations, sous vos ovations. Merci bien. Et le second tour de monsieur Gaëtan, s'il vous plaît, monsieur. Le second tour, vous choisissez la seconde table. Ah oui, ah oui. Allez-y, monsieur, sous vos ovations, famille, sous vos ovations. Sous vos ovations, sous vos ovations, sous vos ovations. Ah oui, et la dernière enfin. De la part de Chanceline, la dernière, la dernière. La dernière. Ah oui, la dernière, la dernière. Nous la passons à quelle table déjà? Ah oui, sous vos ovations, famille, sous vos ovations. À l'honneur, la famille, s'il vous plaît. Ah oui, alors Gaëtan. Alors, que ferons-nous? Le dernier choix, il s'agit de... Ah oui, ah oui, Gaëtan, qu'est-ce qui ne va pas? Alors fais ton choix. C'est votre choix. Fais ton choix, Gaëtan. C'est pour vous. Alors à la marine, sous vos ovations, s'il vous plaît. Sous vos ovations. Alors, on passe à la coupure de toi. Beaucoup de remerciements avec tous les invités. Merci à vous, monsieur. Merci. À qui tu vas acclamation, s'il vous plaît. Sous vos acclamations. Merci à vous. Merci. Merci. Vous savez qui te donne. Sous vos acclamations. Merci